les jambes modifiées, Beat Goodrich s'est lancé. Épreuve finale dans cette catégorie. Une autre course au championnat chaudement disputée, puisque Maxime Pelletier est le meneur du championnat devant François Bergeron, une avance de 8 points seulement avant le début de la journée. Maxime Pelletier à bord, le numéro 66. Le 17, c'est François Bergeron. Et ça se dispute allègrement et très rapidement, cette finale légende modifiée. C'est très rapide. Et pour les gens qui sont avides de vitesse et qui ne veulent pas dépasser des fortunes pour courir, une légende modifiée, ça roule très rapidement. C'est très difficile. Donc, c'est pas un pilotage pour... Ça prend un pilotage très précis. Ce sont des voitures à roues découvertes. Et ça prend des pilotes qui sont vraiment, vraiment, vraiment en bonne forme physique pour piloter une légende modifiée. On va sur la voiture numéro 80 à l'avant du peloton, c'est Steve Côté, celui-là. Steve Côté, on entend des nouveaux noms, hein. Il est en deuxième position, Côté, actuellement. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on réussira à devancer le meneur? Le meneur, actuellement, c'est la voiture numéro 55, c'est Gabi Tétrault. Gabi Tétrault, jeune Gabi Tétrault, alors, qui vient ici avec son père, c'est le numéro 15, Claude Tétrault, qu'on voit un peu plus en retrait, à l'extérieur, voiture 80. Alors, Joe Côté, celui-là, alors... celui-là, c'est Steve. Parce que là, on a Joe qui est un peu plus loin, Jonathan, qui est le numéro 28. Ce sont les deux petits frères, les neveux de Steve Maheu, les anciens. Et ils sont en lutte pour le titre de recrue de l'année dans les légendes modifiées, Beat Goodrich, ainsi que plusieurs autres, comme Gabi Tétrault, qu'on parlait plus précédemment. En troisième position, voiture numéro 22, c'est Mario Lajoie, qui vient jouer les troubles fêtes à l'avant du bateau. Voiture numéro 25, belle manœuvre, Benoît Néron. On s'est repositionné à l'intérieur, hein, à l'entrée du virage numéro 1, pour fermer la porte à Mario Lajoie. Cette fois-ci, on a déboîté à l'extérieur. On s'y retrouve encore une fois, ça va à l'intérieur, pas assez rapide pour devancer Tétrault. Est-ce qu'on pourrait le faire dans le virage numéro 1? Oh, trop peu trop tard, drapeau jaune, dérapage dans la courbe numéro 2. En voiture numéro 18, Éric Robidoux qui est à sa toute première épreuve. Alors, pour les gens qui ne reconnaissent pas, c'est l'annonceur de fameux ASM, les motos. Scooby-Doo, Éric Robidoux. Donc, de nouveaux pilotes, hein, qui s'amènent, parce qu'on vous le rappelle, pour les gens qui verraient les légendes modifiées Beat Goodrich à l'œuvre pour la première fois, ce sont des moteurs de motocyclettes. Absolument, Denis, des 600 et des 750cc, on a une variation de poids pour les équilibrer. Je crois que le travail est très bien accompli par les inspecteurs de l'ANCA. On est arrivé à vraiment avoir une égalité entre toutes les voitures. C'est très suivi. Et ça va très vite, très rapidement. On voit la reprise, on nous remonte le départ. Ici, un excellent départ pour Mario Lajoie. Mario Lajoie qui a dépassé très rapidement. On l'a mentionné à la réunion des pilotes sur une relance d'épreuve. Dès que le drapeau vert est abaissé, on peut accélérer et dépasser, ce qui n'est pas le cas lors du départ original. On doit attendre de franchir la ligne d'arrivée avant d'effectuer des passements. Exactement, Denis. Mais par contre, à la relance, la seconde que vous voyez le drapeau vert, c'est au fond, on s'en va en avant. Et on doit avoir les yeux ouverts parce que, évidemment, les communications radio qui sont interdites dans ces catégories d'encore. Absolument. Donc, c'est vraiment au pilote à juger et au pilote à être très attentif, à être vraiment, là, comme on peut dire, à l'affût de chacun de ses mouvements. Ben, c'est important, hein, parce qu'on doit aiguiser les réflexes, si vous me permettez l'expression, dans ces catégories. Parlant de réflexes, regardez la voiture numéro 66. Il en a de bons réflexes, lui. Se retrouve maintenant en troisième position. C'est le meneur au championnat, Maxime Pelletier. Mais par contre, si on regarde sous son pare-choc, son adversaire pour le championnat, François Bergeron. Donc, deux pilotes. Et d'ailleurs, on se respecte énormément. Drapeau jaune, on a pu voir que les pilotes même sortent de bras. Oh, on a plusieurs voitures impliquées. La 80 de Steve Côté, la 55 de Gabi Tétrault. On voit la 90 de Guy Taillefer et la voiture 21 de Mathieu Francœur. Donc, c'était des pilotes qui étaient particulièrement à l'avant du peloton. Allez, on revient dans quelques instants. Demeurez avec nous, mesdames, messieurs, c'est la série RDS motorisée CarQuest à RDS. De retour à l'autodrome Saint-Eustache dans le cadre de la journée Carryall 300. On est à bord de la voiture de Maxime Pelletier, qui est maintenant en troisième position dans cette finale légende modifiée BF Goodrich. Denis Lecours en compagnie de Jean-François Descaries. On relance cette épreuve cette fois-ci à la file indienne. Mario Lajoie, le meneur, voiture numéro 22, en deuxième position. La voiture numéro 25, ça va bien pour lui. C'est Benoît Néron.
C'est un colosse de 6 pieds 2, Benoît Néron. Effectivement. Alors, quand on le voit coincé dans un bolide de cette dimension. Mais par contre, il se dit très à l'aise. Voiture vraiment construite en entour du pilote. 21e tour de complété maintenant. Benoît Néron qui tente de garder tout ce qu'il peut lui devant Maxime Pelletier, parce que Maxime Pelletier, il met toute la gamme actuellement. Quoi qu'à bord des légendes modifiées BF Goodrich, on le rappelle, il n'y a pas de rétroviseur. Aucun rétroviseur, aucune radio pour communiquer. Donc, c'est vraiment, tout est remis dans les mains du pilote. Et on se doit d'être très prudent, on se doit d'être attentif. Oh, et on prend sandwich la voiture numéro 4. Et Maxime Pelletier en a profité pour prendre la mesure de Benoît Néron. Et maintenant, Maxime Pelletier prend en chasse la voiture numéro 22 de Mario Lajoie. Donc, Maxime Pelletier à fond. Il a vraiment profité de la circulation lente, Maxime Pelletier, pour devancer son adversaire. Relégua aussi, François Bergeron, en quatrième position. Ça, c'est important de le mentionner. Absolument. Alors, le pilote de la voiture Centaur, parce que je voudrais souligner que la compagnie Centaur, Bruno Taillefer, a mis la main sur Maxime Pelletier. Une option, comme on pourrait dire, sur le pilote Maxime Pelletier. Et on peut voir qu'il ne se trompe pas pour avoir une relève. Et François Bergeron, lui, bien là, se trouve avec des points, deux points de différence cumulés. Oh! Et l'autre drapeau jaune, oh là, et plusieurs voitures. On a la 30 de Guy Bélanger, la 80 de Steve Côté, la voiture 55 encore de notre ami ici, Gabriel. Ici, Gabi Tétrault qui est impliqué là-dedans. Donc, Guy Bélanger qui s'amuse et Charles Tétrault. Donc, père, le fils sont impliqués dans cet accrochage. Alors, on a libéré le tout. On est prêt à relancer cette épreuve avec toujours en première position la voiture numéro 22. Mario Lajoie qui reprend le circuit sous le drapeau vert à fond. Et maintenant, un autre trouble à faire du championnat. On retrouve maintenant nul autre que Danny Campo. Alors, Danny, maintenant, qui tente de se glisser. Et ça, c'est dangereux pour François Bergeron. François Bergeron qui se retrouve avec deux bolides entre lui et la voiture, le meneur. On a touché le muret protecteur avec la voiture numéro 83 de Danny Campo. On est dans le dernier tour. Est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin? Oh, quelle lutte qui se dessine pour la quatrième et la cinquième position. Bergeron semble avoir l'avantage. Danny Campo qui va au maximum. Il va manquer un petit peu, je pense. Alors, une victoire maintenant qui revient à la voiture numéro 22 de Mario Lajoie. Mario Lajoie, victoire, mais disqualification par la suite, voiture jugée non conforme. La victoire qui revient donc à Maxime Pelletier. Oui, devant Benoît Néron et François Bergeron vient compléter le podium carrier. Et on a ici Sylvain Denis qui complète quatrième position. C'est un bonhomme qui nous vient de la région de Québec. Et au championnat final de la saison 2006, Maxime Pelletier, couronné champion, 552 points. François Bergeron termine deuxième. Jonathan Côté en troisième position. Recrue de l'année. Danny Campo, quatrième position. On a connu une saison assez difficile du côté de Danny Campo malgré ses trois victoires. Mécanique de la semaine, une présentation des additifs haute performance Lucas Oil. Ben, je pense que c'est mérité en la voiture numéro 66, Maxime Pelletier. Oui, un championnat. Maxime m'avait dit au début de la saison, GF, je m'en viens ici pour gagner le championnat. Eh bien, tu as tenu parole, Maxime. Félicitations. Il ne faut pas oublier qu'il avait été faire une petite excursion en catégorie LMS. Excursion peut-être un petit peu décevante pour Maxime Pelletier l'année dernière. De retour aux sources en légende modifiée, il remporte le championnat et il recevra la confirmation de son prix par le retour du courrier, prix qui consiste en un assortiment de produits haute performance Lucas Oil. Il pourra se les procurer dans un carquois près de chez lui. Pas manqué. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Denis Lecour, au nom de Jean-François Descalis, de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS motorisée CarQuest à l'antenne de RDS. D'ici là, soyez prudents. Cette émission exclusive à RDS vous a été présentée par CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec Encan Direct, H. Grégoire, ouvert 7 jours sur 7 à Saint-Eustache, Laval, Carignan et Trois-Rivières.